Alors imaginez que demain, eh bien, on chasse tous les mots immigrés de la langue française. Alors, tout ce qui est immigré disparaît, on est d'accord. Les mots d'origine arabe, turque, polonaise, espagnole, italienne, anglaise, russe, hébraïque, esquimo, et j'en passe. Comment vivre sans eux, sans ces mots? Car peut-être sans le savoir, vous les utilisez tous les jours. Vous avez choisi la forme du conte dans la continuité de ce que vous publiez, Eric Orsenna, depuis maintenant une vingtaine d'années. Il y a eu « La grammaire est une chanson douce » ou encore « Les chevaliers du subjonctif, la révolte des accents ». Ce sont des contes qui permettent de faire passer le message avec à la fois humour et simplicité et à tout le monde. Vous commencez par imaginer l'ami, A-M-I. Qu'est-ce que l'ami ? C'est l'association des mots immigrés parce que il se trouve que, comme nous sommes, comme nous le savons maintenant, en élection présidentielle d'un très grand niveau, comme vous savez, et donc j'imagine, nous avons imaginé ensemble avec Bernard, que lors du débat du deuxième tour de la présidentielle, brutalement, la candidate d'extrême droite, qui est arrivée, on peut imaginer, elle n'a plus de mots. Elle n'a plus de mots. Parce qu'après avoir dit tellement de mal des immigrés, les mots immigrés ont fait la grève. C'est la candidate d'extrême droite, ça pourrait être aussi le candidat de droite extrême ou alors un candidat... Je le dis là, parce que voilà, c'est ça. Parce qu'à l'époque où on a écrit, les sondages étaient un peu différents et tout ça. Mais enfin, c'est la même chose, c'est l'immigration. Donc, les mots disent non, bah, puisqu'on n'est rien, eh bien, on va faire la grève. Mais ça pourrait être ceux qui ont construit nos maisons. Ça peut être ceux qui ont bâti nos usines. Ça peut être ceux qui ont travaillé pendant des années. Ils disent, non, on n'est plus là. Et là, c'est les mots qui disent, non, il n'y a plus de mots. Donc l'association des mots immigrés dit, écoutez, nous ne reviendrons dans le langage des politiques que si hommage nous est rendu. Et donc ils vont au Conseil constitutionnel, que j'ai bien connu, parce que j'étais juste à côté au Conseil d'État. Et donc on s'est amusé de dire ça. Eh bien, écoutez, on oblige une demi-heure chaque soir, avant le journal télévisé, à rendre hommage à chacune des vagues d'immigrés qui ont construit la langue française. C'est tout simple. Et c'est avec ça qu'on a travaillé avec Bernard. C'était amusant beaucoup. Ça, c'est le principe du conte, une histoire. Mais derrière, il y a des questions absolument passionnantes. Et vous l'avez dit, ce sont des questions de politique, en réalité, que nous pose la langue française. On se dit, effectivement, on voudrait des mots bien de chez nous, si on suit la logique de cette candidate ou de ces candidats. Des mots de souche, comme il y aurait des Français de souche, puisqu'il paraît qu'il y a des Français de souche. Ce sont, croit-on, ces mots, les mots gaulois. Alors tiens, allons-y, interrogeons-les, et je me tourne vers vous, Bernard Cerchilini. Les mots de nos ancêtres, les Gaulois, si tel était le cas, s'ils étaient vraiment les mots de souche, quels seraient-ils? Qu'est-ce qu'on se dirait? Eh bien, la candidate aurait pu dire tonneau, cervoise, ruche, char, ouais, braguette. Ah, braguette, oui. Braguette. Oui, alors, qui est au deuxième tour. Excusez-moi, mais. Braguette, ça vient de Bray. Les Bray. Les Gaulois. Et donc, en fait, son vocabulaire devient extrêmement limité pour faire un discours de campagne électorale. Qu'est-ce que vous voulez nous montrer? Que, contrairement à ce qu'on croit, les mots ne viennent pas uniquement de Gaulle. Ce n'est pas nos ancêtres les Gaulois, les mots. Non, et ce que nous avons montré, c'est qu'au fond, les Gaulois sont des immigrés aussi. Ils sont arrivés 5 siècles avant Jésus-Christ. Donc, le latin, globalement, c'est une langue d'immigration. Elle est arrivée un peu avant Jésus-Christ, mais auparavant les Gaulois. Donc, de proche en proche, il n'y a pratiquement plus rien, sauf en cherchant bien un mot qui n'est ni gaulois, ni latin, etc., qui est préhistorique, qui est peut-être le premier mot, et nous avons... Qu'est-ce que ce serait le premier mot, tiens, Eric Orsenna? Le premier mot du premier homme. Alors, c'est amusant, parce que, comme on dit, vous savez, le patient zéro, comme ça, le premier qui est au début, comme ça. Et on a discuté, et ça serait caillou. Caillou. Caillou, ça serait le mot préhistorique. Voilà. Et à partir de là, caillou. Alors, caillou... Alors, pourquoi caillou? Parce que c'était là, ils étaient là, ils étaient... Une racine cale qui est sans doute préhistorique et que l'on retrouve dans garrigue, dans chaillou, dans chaillot, ainsi de suite. Donc, peut-être que caillou est le plus vieux mot de la langue française. À cause de cette racine... Et le seul de souche. À cause de cette racine qui est commune, donc, à plein de mots et que l'on retrouve, d'ailleurs, un peu partout. Voilà. Donc, c'est peut-être le plus vieux mot, le seul
seul mot de souche. Donc en fait, cette candidate, elle pourrait dire caillou, 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 caillou dans ses discours. Et pas ouais. Hibou, joujou. Non, pas du non, tout. Non, elle s'arrête. Ce qui limite. Ça, c'est des trucs pour Aurore, ça. Ça me fait rire, ça. Voilà. Ça vous fait rire. Caillou, hibou. Et donc on imaginait Monsieur Caillou au téléphone qui répond depuis une caverne. Alors on vient de vous montrer très simplement que on peut pas parler de mots de français de souche. Non. Bon, que les mots gaulois nous permettraient de boire un coup au tonneau, d'aller à la ruche, voilà, mais guère plus en réalité. Il va falloir s'admettre qu'en réalité, notre langue française est composée aussi de la langue de l'ennemi héréditaire. Alors je ne parle pas de l'anglais. Pendant longtemps, l'ennemi héréditaire fut l'allemand. Et d'abord les Romains, bien sûr. Et donc ils sont comme ça. La première invasion, c'était les Romains. Et quand on voit Provence, c'est une provincia, c'est-à-dire la province qui avait été conquise par les armées d'occupation dès 150 avant Jésus-Christ. Donc ça, c'est la première vague. Et puis après, il y a des tribus qui sont arrivées de l'Est, comme ça, avec les Francs. Et le mot français vient d'un mot d'envahisseur. En fait, le français est allemand. Ben, le français est allemand.